Bombara. Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce qu'on fait sur les îles là? Ce nouvel épisode de Patron Incognito va vous faire voyager vers. Mais qu'est-ce qu'elle me fait coucou? Me fait pas coucou, cousine, on se connaît, on a élevé les cochons ensemble. Paradisiaque d'Honolulu. D'Honolulu? Prendre l'avion. Oh! C'est un Airbus. C'est pas comment. Un Beluga, ils appellent ça, non? Au menu, des Pokéball LC. Plexou. Hein? C'est pas ta sœur. Mais qu'est-ce qu'ils m'envoient, Haribo? Mais il est complètement con, cet enfant. Aujourd'hui, en deuxième position. Alors, des plats préférés des Français. Ça, c'est incroyable. Et les amis, on est d'accord que ça c'est sorti nulle part comme le tacos, hein. Il existait déjà aux États-Unis, il existait en Europe. Oula, ça sent l'entrepreneur ici. On est le premier à le faire. Et c'est un joli. Plat qui est super assis, super sain. Ouais, enfin, super healthy, super sain. Le saumon bien gras, la sauce soja sucrée. En fait, attention quand même. En mangeant un poké, vous avez 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes, ouais, ça c'est pas mal. On ouvre plus de 50 restaurants par an, donc ça va vite. Et ça va de plus en plus vite. Quoi? Si le développement de l'enseigne va vite, les pokés aussi, puisqu'il faut 25 secondes pour en réaliser. Et ouais, tout est cru quasiment. Sur un vélo que cette aventure a débuté. Oui, Deliveroo et tout. Livreurs pour payer leurs études, les deux jeunes hommes, alors colocataires, lancent ce concept dans leur appartement. Oh la dingue. Au début on a démarré, on a fait tout nous-mêmes. Ça, c'est incroyable. On a dû mettre la main à la pâte. J'ai 30 ans, j'ai jamais touché à mes cheveux. Ah oui. J'ai la même coupe depuis le relooking, on va voir ça. J'espère qu'ils y toucheront pas. Ok, donc déjà s'il a dit ça, frérot, il va se retrouver chauve, ils vont lui attraper ses vaches, ils vont lui faire comme Patoche, hein, ils vont lui changer la coupe de vaches comme ça. Non Maxime, on plaisante, on range la tondeuse. Attends, mais on plaisante, mais il lui a quand même fait une entaille. Ça plaisante, mais ça lui a quand même fait une entaille dans le sourcil. C'est oh, Samuel putain, Garret, j'ai très peur. Son hein. Associé qui aura la primeur de la découverte. Il est accompagné de Pokawaf. Ça par contre c'est non. Pokawaf, je ne valide pas du tout. Alors? Oh les dreads. La production. Oh ouais, c'est Sean Paul. A choisi de faire des tresses plaquées. C'est Anne Garnier le freestyler. Ah, mais frérot, pourquoi il a. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Ils pouvaient pas juste faire des dreads normales, frérot? Pourquoi ils lui ont mis. Comment on appelle ça le jeu avec les trucs là? Ils lui ont mis un. Nal, ouais. J'étais pas au courant du. Non, mais là, c'est une dinguerie là. J'étais pas au courant. Alors, par contre, c'est la meilleure transition coiffure qu'on ait jamais vue. C'est exceptionnel là. C'est galant. Et ils lui ont mis un boulier, frérot, derrière les vaches. Ce nouveau jeune homme sera Léopold. Brother from another mother. Direction Toulouse pour la première immersion. Une dégaine de surfeur en RSA quand même. Hein. Prix exorbitant pour une portion ridicule. Ouh, les notes de je merde. Je ne recommande absolument pas. Pour le même prix, tentez plutôt un autre poké. Quand je vois. Vous avez vu ce qu'il y avait écrit? Tenter la Poketeria. Genre, l'émission là, depuis tout à l'heure, ils floutent le nom de leur entreprise. Mais par contre, sur l'avis Google, ils ont mis bien en gros le nom de leur concurrent. Afin de trouver des solutions, le jeune fondateur va travailler côté cuisine auprès des. Les amis, très honnêtement, les Pokéballs, une note sur 10. Moi, franchement, je lui mets un bon 8. Hein. C'est, franchement, Yanis, c'est quelque chose. Yanis, un des cuisiniers de l'établissement. Bonjour. Enchanté, moi c'est Yanis. Salut, enchanté Yanis. En détente, Yanis. Ça se voit, c'est un gars, il n'y a rien qui le stresse. Il est stressé par R dans la vie. J'ai dû être à peu près 5-6 fois employé du mois. Oh, Yanis le BG. Ça m'arrive des fois de me mettre une petite série pour faire passer le temps. Je vous l'ai dit, il est en détente, il est chez lui, Yanis. Je suis vraiment autonome. Si je veux prendre une pause toutes les 5 minutes, je peux prendre une pause toutes les 5 minutes. Ouais, y a pas de soucis. Faut quand même travailler, Yanis, à un moment. Moi aussi, demain, j'aimerais bien créer mon restaurant. Je suis berbère, du coup, j'aimerais bien faire de la cuisine berbère. J'ai pas envie que. Bah, c'est bien, ça lui fait une bonne formation. Il faut travailler en restauration avant. La spécialité de l'enseigne, le. Après, on n'oublie pas que les notes étaient catastrophiques sur Google. J'allais dire, bon, s'il se met une petite série, sa musique, mais qui fait le boulot, les gars, on s'en fout, tout le monde que le boulot est fait. Bon, rappelle, il y avait des gros une étoile, la cuisine plus sa mère. Hein. Donc, attention, Yanis, on va regarder ce que tu fais de très très près, je te le dis. Ok. La commande a été passée trop tard au vendredi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe là? À 2h de l'heure de pointe, oh là il n'y a pas de crevettes ni de thon, des produits très sollicités ah bah ouais, par les clients. Bah non, bah vas-y, ils ont un Pokéball, il n'y a pas de crevettes, pas de thon, pas de riz, pas d'ananas, pas de. Vas-y, bah fermez, faites des kebabs. Alors, comment ils font? Comment ça marche? En fait, je crois qu'il faut taper, faut pas faire l'entaille. Frérot, tu fais quoi? Ils plantent des clous là? Bah comment ils font? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce ouais, qu'il fait là? Il est en train de la battre? Dans tous les sens quoi. La grenade, faut la couper ouais, en. Mais là, la grenade, elle lui devait de l'argent, non? Il s'y prend pas de la bonne manière. À mon avis, on lui a pas montré. Et du coup, il le fait un peu de manière. Bon, il a réussi quand même. Hein. Quand t'es arrivé, qui t'a montré et tout comme... Personne le vend! Comment couper, comment. Personne m'a montré. Ouais. Je te demande déjà, je le regarde dans tous les sens. Comment je vais l'attraper celui-là, tu vois? Ah, je l'ai charcuté.
Il s'est battu. Il a fait un 1v1 la One Piece avec le saumon. Le saumon. Je suis rentré à la maison. J'ai marqué tuto saumon. Le lendemain, je suis venu. J'ai pris ma robe. Ah, c'est une dinguerie. Il a écrit tuto saumon sur YouTube. La recherche de zinzin. Ici, c'est les deux propriétaires. Ok. Comment ils ont commencé. Comment ils transpirent sa race. Mais la plupart du temps, ils mettent des plans. Ils disent ouais, on vient. Ils viennent pas. C'est pas assez dommage. Ça. Ah, c'est dommage. Un petit malaise. Je vais le faire à l'œil. Ah, il le fait à l'œil. On fait confiance à mon instinct d'œil. Ouais. Vas-y. Pas trop, Yannis. Un peu plus de sel. Ouais. Au final, au goût, je le trouve. Après, peut-être c'est un crack de la cuisine, Yannis. Peut-être qu'au goût, c'est une perfection. T'as retravaillé, toi, la recette du guacamole? Ouais, je l'ai un peu modifié. C'est ton goût, quoi. Mais personne ne l'a demandé. Et dans la recette, il y avait du gingembre? Je sais même plus. Attends, je vais regarder. Oh là là. Yes, va checker si tu veux. Du gingembre, du guacamole. C'est son restaurant, lui. Il fait sa recette. Je trouve que ça donne un peu plus de peps au goût du guacamole. C'est vraiment, il est chez lui. On a mis en place des recettes, il faut les appliquer. Ça fait un an qu'il fait ça. Maxime Buller a proposé cette fois-ci à Inès, sa compagne, de venir exceptionnellement en tant que cliente mystère. Alors ça, c'est sa femme carrément qui l'a jugé. Ça va, t'es presse ? Ça va, en dessous ? Mais ouais, bah allez-y, faites ça devant le restaurant, bien sûr, c'est pas que flag du tout. Il y a 10 bonnes minutes, ok. Bon. 10 minutes, ça va, en vrai, t'es assis, les tranquille, t'attends. Le comptoir ignore qu'il s'agit de la compagne du patron. Aïe, 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 ils savent pas. En tout cas, c'est très joli, hein. Franchement, la déco et tout, je trouve ça très très joli. Hein. Peut-être qu'ils m'ont oublié, je crois que je le vois là. Ça arrive. 22 minutes hein, pour un poké, bon. Après, s'il y a du monde. Ah, non. Ah, et c'est au bout de 25 minutes que tu le dis? Ah! Formule Summer Body Ball. Summer Body Ball. Heureusement, on va pas te la faire parce qu'on a plus de feta et on a plus d'alboca. Ah oui, y'a plus rien, bah fermez le restaurant. 140 à petit, c'est ça? Je crois. Ou 140 ou 120, je me rappelle. Aïe 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 aïe, les amis. Les commentaires Google étaient donc vrais. Là, c'est dire que j'ai pas fait la tare. Il est à 114 avec l'emballage. L'emballage, il fait 2 grammes l'emballage. 114 avec l'emballage. À l'étage et 28 minutes plus c'est tard. C'est joli, c'est beau, c'est coloré, enfin hein, c'est plein. On va se mettre à table. Je vais prendre l'air. Je prends l'air. Il est vénère, frérot. Il vient faire un stage, il est énervé. 28 minutes, ça, c'est beaucoup pour un poké. Non, mais alors, donc là, il est à l'étage, il va voir elle et personne va se poser de questions. Genre, si là, il y a la serveuse qui monte, personne va se poser de questions que lui, là, il arrive et il tchatche comme ça avec une cliente. Tiens, en plus, ça lui donne à manger comme ça. Mais allez-y. Non, mais va foudroyez-vous au fond du restaurant. Allez-y, on verra rien, on ferme les yeux. 28 minutes. Attends, donc c'est très long. Oh oui, non, mais il a complètement oublié le côté incognito. Là, il est là, à deux doigts de dire « Bon, écoutez, c'est moi le patron, c'est un contrôle ici. Alors, qui n'est pas à la saladette ?» Tu vois, il est à deux doigts, bah vas-y. Il est avec sa femme et tout, il est chill. Hein. Au-delà de l'aspect économique, pas mal de points à récupérer. Le patron a également rencontré un salarié motivé dans la ville très touristique d'Aix-en-Provence. Petit restaurant qui a une cuisine déportée, donc c'est assez compliqué d'y travailler. Cuisine déportée ? Pour changer, il n'y a pas de vestiaire ou quoi. Ah, okay. Ah ouais, c'est tu te mets un peu slip au milieu du restaurant, tu dis ah, « Regardez pas, s'il vous plaît. » C'est pas normal parce que. Mais attends, mais t'es là, il y a un client qui arrive. Bonjour, je voudrais un poké saumon avec des algues wakame. Et toi, t'es là, t'es en puzzle. Oui, oui, tout de suite. Genre, si ça n'arrive pas, c'est pas censé arriver. Mais t'imagines, tu rentres dans un pot kawa, il y a un kemé en puzzle comme ça qui dit oui, on va prendre la commande. C'est frérot, mais moi je pars en courant, je remets plus jamais de ma vie, je mange du riz. Je fais une formation maintenant d'éducateur canin comportementaliste. Ah ouais, d'accord. A rien à voir avec de foutre du saumon et du riz ensemble. Du coup, Saya, c'est ma chienne qui a. D'accord. Avec très, ma très chienne, chienne par hein. J'ai une relation comme une mère. Ah, franchement, elle pose mieux que moi, sa chienne, je suis dégoûté. Non, mais elle a plus de charisme que moi. Ça va, c'est pas trop chiant. Et là, ils voient la cuisine des soirs. Oh là là. Mais sérieux, ils doivent faire ça chaque fois pour récupérer des aliments, mais quel enfer. 1, 2, 3. Donc. Au moins, ils font bien le point sur les aliments. Qu'est-ce la cuisine passe, est située dans une petite rue. Ah, il en a rien à foutre, lui. Il descend tranquille. À l'heure de la livraison des produits, le camion bloque complètement la circulation. Ah, les bruits klaxons ajoutés par la prod, on les connaît. Non, remarque, c'est Aix-en-Provence, Marseille, tout ça, ça klaxonne, les amis. Non, mais c'est ajouté, et 100% raisons, c'est ajouté. Tout d'abord. Théma, il y a 3 voitures, frère, 100% c'est ajouté. Ah non, les gars, je crois que c'est pas. Non, les gars, je crois que c'est pas rajouté, hein. Non, mais excusez-moi, mais c'est quoi cet enfer? Les trois, si on rajoute des trucs, il va casser, là. Oh, il a l'habitude. Oh, mais ils font ça tout le temps, mais quel enfer! Et on met rien dans le frigo, là? Il marche pas. Ah, ok. Ah, bah, effectivement. C'est pour ça. Ah, déjà, alors, ils ont une cuisine, frérot, elle fait 1 mètre. La cuisine, elle est plus petite que mes chiottes. Il y a un frigo, il marche pas. Non, c'est une dinguerie. Divers points perfectibles qui expliquent peut-être le turnover important dans ce restaurant. La vérité, moi, je vais travailler dans un restaurant, je dois faire le chariot comme ça, je dois pousser un caddie comme si j'étais à Carrefour Market tous les jours. Je m'en vais. Moi,
moi j'aimerais bien changer de labo, avoir un labo plus grand. Les conditions sont pas bonnes. Il n'est pas conforme. Ouais, je pense qu'elle a capté, c'est le patron, hein, la vérité, pour se plaindre autant. Après, je pense que ça se voit, elle a une grosse conscience professionnelle et ça lui tient à cœur ce qu'elle fait et que ça la saoule. Donc c'est peut-être ça aussi. On espère qu'un jour notre patron. Elle a capté. On avait un doute jusque-là, mais là, il n'y a plus de doute qui tienne, on est tous d'accord. Myriam n'est pas au courant que son patron est juste à côté d'elle. Bah oui, c'est ça, elle n'est pas au courant. Et Monsgeg, c'est du jambon. J'aimerais bien qu'on déménage. S'il te plaît, on arrête les conneries, là. Coupez la caméra. Bon, écoute, je t'ai reconnu, espèce d'enculé. Déménage, parce qu'en fait, j'en peux plus, tu vois, je vais me barrer. Alexia, c'est un petit peu comme ma fille. Ça se voit, Myriam, c'est le genre de personne que tu as envie d'avoir à ton travail. Tu vois, elle est exigeante. Elle est droite, mais elle est attachante. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 10 minutes plus tard. En plus de non, mais vous avez vu la queue? Attends, mais t'es dans... Mais bien sûr, elle est consternée ou constipée, je sais pas, un des deux, hein, ça c'est à voir, mais je pense qu'elle est plus consternée. T'imagines, t'attends tes poké, il y a un gars, il arrive avec une glacière Picard, mais je pète mon crâne. Madame, excusez-moi, vous savez où sont les toilettes, s'il vous plaît? Ah, mon garçon, là, je vois que tu as envie d'éclater la cuvette, mais tu vas faire ça sur le trottoir. Hein. Pas de toilettes ici. Ah. Désolé, il faudra aller dans les commerces. Il a fait un. Il a une chiasse, frérot. Il avait envie de débouchonner le chiotte. Mais là, c'est compliqué. Hein. Là, il est en train de se dire. En plus, il a pris un poké bien gras, bien saumon. Lui, il n'y a pas de manque. Tu vois, ça te tait, frérot, qu'il est serré. Il est crispé du visage. Il n'a pas mis des trucs très healthy dans son poké. Il a envie de. Pah le shampoing, mi frère. En cette fin de service, l'équipe aura servi plus d'une centaine de pokés. Il y a eu un gros rush dans le restaurant et c'est vrai qu'elle a gardé son calme. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'équipe du restaurant est une masterclass, je n'ai pas peur de le dire. C'était vraiment... Alors qu'ils ont des conditions de travail qui puent sa grand-mère, qui sentent le chasuble de D4 moldavienne, frérot. Après ce rush, Maxime va enfin pouvoir s'intéresser avec elle. À son employé de nature... Alors qu'est-ce qu'elle a? Elle a été abandonnée par ses parents, elle a été placée en foyer, elle a été harcelée à l'école, il y a toujours un background de zinzin. Hein. Ils t'ont jamais aidé tes parents? Non. Ah ouais? Ah, je ne vois plus tes parents? Ma mère, je la vois, mon père, non. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Pour cette dernière immersion, direction les bords du Rhône à Lyon. À Lyon ! Si la note globale de 4,4 est satisfaisante, très bon ! Plusieurs commentaires clients sur Internet sont malgré tout critiques sur l'établissement. Serveuse très désagréable. Il manquait mon extra de thon mariné. Ce n'est pas la première fois. Les commandes en livraison sont traitées par-dessus la chambre ici. Inadmissible. Ah, bah, j'ai de la chance d'être avec toi. Ouais, je suis grave sympa. Top. C'est peut-être elle la serveuse désagréable, mais elle a l'air très souriante et gentille. Je suis étudiante à Lyon. Je t'ai fait les... 26 ans étudiant encore, mais elle fait quoi? Elle fait médecine ou quoi? Parce que je fais du japonais et du coréen. Ah ouais. Ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Wendy desu. 26 sai desu. Ouais, pas ouf l'accent. Après, c'est pas une compétition, hein, tout ça. Hein. Mais j'ai reconnu, elle a un accent beaucoup trop français. Ça, c'est cramé direct. Techniquement, c'est toutes les 30 minutes. Ah ouais, mais on est d'accord qu'en restauration, personne se lave les mains toutes les 30 minutes. Le truc des pieds marche plus. Bon. Ouais. C'est pas grave si j'ai touché le couvercle. Bah, si, frérot, si, c'est ouais, de la poubelle. Okay, ça marche. C'est dégueulasse. La pédale cassée de la poubelle oblige les employés à toucher le couvercle plusieurs fois dans la journée. Mais ça, c'est dégueulasse. Des grandes mesures, on met des gants, on se lave les mains toutes les 30 minutes pour toucher la poubelle avec les mains toutes les 8 secondes. Je mets jusqu'à 140. Ok, bon, là, les doses sont respectées ici. Je pourrais pas forcément avoir l'œil sur toi. Si vous avez remarqué, pour une fois, on a un patron qui est plutôt doué quand même dans ce qu'il fait. Hein. Là, je te fais un médium, je suis arraché sur mon avocat. Fais ce qu'il y a écrit sur le papier. Je t'ai dit, je me pose pas 4 fois la question si je suis déjà en train de parler au livreur. Attends juste 2 minutes que je termine, s'il te plaît. Bon, c'est peut-être elle, hein. Y'a du monde là ce midi? Oui, mais là, les questions, je peux pas répondre. Ouais, à toi, vas-y, en fait. excuse. Faut que t'enclenches et arrête de poser trop de questions qui servent à rien. Excuse-moi. Je te mets où quand j'en ai deux et. Ça a rien à faire là. Hein? Plus c'est monté crescendo et plus elle avait. Ah ouais, elle est dure en affaire, hein, comment dire. Si tout le monde ne parlait pas en même temps, ça irait un peu mieux. Ah ouais, mais ça, tu lâches des trucs comme ça devant les clients, le malaise, hein. Ah, heureusement que c'est un plat qui se mange froid déjà, hein, le Pokéball, hein, parce que sinon ça te le refroidit instantanément. Hein. Ouais. Je crois que tu mets 3 pompes pour mettre du riz dans un bol. Hein. Wendy est intransigeante avec Léopold, car le petit espace derrière la saladette... Mais ça te donne envie de plus jamais travailler. Après, je comprends. C'est normal, il y a un rush, ils sont...
Mais ouais, t'imagines si ton premier jour on te parle comme ça, frérot, t'as plus envie d'y aller le lendemain. C'est pas idéal de livrer pendant le rush time. Ouais, le gars il a posé devant la porte les cartons, il en a rien à foutre. Un des employés à ranger cette livraison d'emballage, de bol en carton et de couverts. Ça marche. Allez-y madame, c'est les toilettes. Ils sont trop... Oh le malaise. Oh les... Non, dans le chiotte, non. Elle sort, il y a Donatien qui est en train de ranger les cartons. Donatien, il est là, il est en train de... Tu sais, il est comme ça, il porte les trucs. Alors ça, je le mets là. Il entend des gros... Alors les bols, je les mets les couverts en carton. C'est par là. J'ai pas été trop nul. Non, ça va, ça va. Bah, c'est normal, tu commences, ouais. Tu connais pas trop encore. Ouais, c'est pas trop ce que t'as dit tout à l'heure. C'est un restaurant qui a une spécificité, il fait beaucoup de chiffre d'affaires. Il s'en bat les couilles, la vérité. Voilà. Va pouvoir dire que même si eux, ils ont... Franchement, la transition était folle, les gars, quand même. Hein. La transformation, pardon. Elle était folle. Hein. Ouais, ils sont... Non, mais le gars, on le reconnaît app. Hein. Mais alors là, personne va le reconnaître. Déjà, dans les émissions, tu vois, c'est le même gars, ils sont là en mode « Ah bon, c'est vous ?» Genre là, jamais ils vont le reconnaître. Oh, ça c'est Maxime, ça, non? Ça va? Attendez, mais il a pas reconnu, en fait. Il croit que c'est son collègue juste de travail qu'il a vu. T'es le grand patron. Yes. Il a reconnu. Oui, genre Myriam, genre t'avais pas reconnu. Je suis Maxime Buller, le cofondateur de l'enseigne. Genre, elle savait pas, Myriam. Tout le monde m'a dit, mais t'es sûr que c'est pas patron incognito? On m'a pas dit que c'était pour ça. Bah oui. Bah normal, non? C'est quand même le concept incognito. Ils sont venus devant, on dit, bah salut, c'est patron incognito. Donc il y a ton patron qui va venir, mais il est incognito, donc tu fais comme si tu le connaissais pas, ok, puis on se fout de sa gueule. C'est quand même le concept de l'émission. Mmh. Oh non, sérieux? Ouais. Elle lui a trop mal parlé. C'était sympa. Ouais. Tu te rappelles quand tu m'as dit, vas-y, ferme ta gueule avec tes Pokéballs là et mets du concombre et ferme ta gueule. Tu te rappelles comment on avait bien rigolé à ce moment-là? Et tu m'avais dit, oui, le riz vinaigré, tu le mets, sinon je t'encule ta mère. C'était au top. Tu vois, j'ai parlé à ton manager et on voulait te faire une proposition. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? La première chose, c'est de te garantir ton poste à ton retour. Okay, donc ça, je pense que c'est amplement mérité. Ça, c'est dinguerie, ça. Tu vois, j'aimerais bien aussi te proposer une formation pour passer responsable d'équipe. C'est 320€ brut par mois en plus. Ouais, c'est pareil, hein. 320€ brut, je rappelle qu'en net, en France, c'est 5,50€. Hein. C'est un petit kebab sans frites. Hein. C'est pas mal. Hein. Je pense que c'est important qu'on te fasse une petite remise à niveau. Tu vois, tu vas réintégrer les formations guacamole, ça c'était sûr. Tu vas repartir sur de bonnes bases. Moi j'ai très envie d'enchaîner, tu vois, et devenir responsable cuisine. Ça représenterait 280€ brut par mois. Ah oui. Donc, bien sûr, ça c'est dans la popoche du Yanis, ça. Et du coup j'avais quelque chose à te proposer. Quoi, la franchise? Ça serait un stage dans la meilleure école de cuisine en France. Oh. Qui te permettrait d'acquérir toutes les bases pour ouvrir un restaurant. Oh, dinguerie, en vrai, bien. Cuisine, hein. Bah, j'ai réfléchi un peu et je pense que cette assistante manager, elle est toute trouvée. Je pense que c'est toi. Bravo. Oh. Elle le mérite. C'est vrai? Elle est gentille, ouais. Myriam. J'espère Myriam, il va la mettre Gucci aussi parce qu'elle est... Elle est trop gentille, wesh. C'était pour moi une évidence que, tu vois, l'assistante manager, c'est toi, en fait, tout simplement. Ouais. Alors que dans 6 mois, elle va dire à des labradors « Assis ! Couche-couche, panier ! Coucouche, panier ! Aboie ! Donne la pâte ! Fais le mort ! Mali Burger !» Pour moi, c'était naturel de te proposer aussi une promotion. Elle est trop touchante, Myriam. C'est toi qui l'as mérité. Vous allez avoir une prime exceptionnelle de 500€ chacune. Allez, ralas time. On va encore plus s'éclater les babouches dans le sud. On va encore plus s'éclater les babouches dans le sud. S'éclater les babouches. Ah, ça là, on l'avait jamais faite. Yanis, effectuera une formation dans une école hôtelière. C'est ce qu'on veut. Global sur internet déployé du 4,7. Alexia va prochainement commencer sa formation passée assistant manager au sein du restaurant d'Aix-en-Provence. Bravo Alexia. L'enseigne est toujours à la recherche d'un nouveau local. Aïe. Ah, c'est pas évident en même temps de trouver des locaux. En attendant, le restaurant actuellement en travaux pour améliorer son aménagement. Wendy est actuellement au Japon. L'enseigne lui a accordé des congés sans solde afin de lui permettre une réintégration sur retour en janvier. Tout est bien que ça la finit bien. L'enseigne recherche actuellement 2 locaux afin de libérer de l'espace de stockage. Un nouveau restaurant ouvert à succès à Lyon. Ah ! Ce qui permet de partir à la clientèle et de désengorger le premier. Eh ben magnifique les amis. Bon épisode, pas forcément le plus marrant, mais un bon épisode, bon patron, de la bonne ambiance, des situations comme tous, reste vigilant garçon ! C'est franchement un bon épisode qui donne le smile, ça fait plaisir.